comme tout le monde, j'ai des défauts. Putain, ça me casse les couilles. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Putain, mais c'est vraiment un connard ce Pokémon. Mais si tu lis entre les insultes, distingué qui se fait encore victimiser, tu trouveras dans mes let's play tout ce que je n'ai pas su te dire. Oh là là, Fildrong, il est trop bizarre. Ce mec, il danse devant nous, mais en fait, je le trouve beau épouse. Moi, s'il te plaît, lol, MDR, PTTR, MTR, lol. Yo les trashers, salut à tous, c'est Fildrong. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pokémon Insurgence. Et oui, vous avez vu l'introduction et vous savez ce qui doit venir, hélas. Vous avez voté pour la bandon de Distingué. Moi, je suis très triste parce que je voulais pas du tout, je pensais pas du tout que vous voteriez pour lui. Je pensais que ce serait Nidoking qui s'en irait. Je me suis trompé. En tout cas, vous pouvez voir la suite de la chanson hein, qui dure 3 minutes en entier sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à passer voir. Et oui, oui, je suis désolé au Distingué. Adieu Distingué. À jamais dans mon cœur, mec. Tu ne méritais pas de t'en aller. Ah, c'est fini, c'est fait. Attendez, il faut que je sauvegarde comme ça, je peux pas hésiter. Voilà, j'ai sauvegardé, c'est bon. Ah ouais, voilà, je n'ai plus de Distingué, il est mort, Distingué est mort, il est abandonné. Bon alors, par contre, le problème qu'on a, c'est que Roselia... Rose Bouton n'évolue que au niveau qu'au niveau 16 et qu'en plus de ça il faut qu'il évolue la nuit, donc je sais pas trop comment je vais faire ça. Faut pas faire attract. Là, je veux pas mettre trop de niveau parce que, comme c'est un bébé, il apprend pas toutes les attaques en fait. Donc, faut bien faire attention. Tu peux pas le monter genre au niveau 30 et tout. Si je mettais des Pokémon niveau 50, déjà ce serait pas drôle. Enfin, je le ferai peut-être plus tard, mais déjà je vais pas le faire maintenant. Et puis surtout, il faut que j'attende en fait. Donc, je préfère le monter comme ça. Ce sera plus simple, je pense. Oui, donc il va falloir que j'y revienne la nuit. Et du coup, je peux pas trop l'entraîner aujourd'hui parce que là, je tourne de jour. Ce qui est un peu embêtant. C'est quoi qu'on feed? Oui, bon. Parce que ça change. Oh, j'aurais peut-être dû garder Fake Tears, en fait. Bon, on s'en fiche, c'est pas très grave. Ouais, donc voilà. Donc là, au moins, j'ai Jean-Hubert qui sera pas trop haut niveau. Comme ça, quand il évoluera en Roselia, il pourra apprendre les attaques. Parce que sinon, il apprend pas, en fait. C'est ça, le problème. Il faut faire bien attention à ça. Voilà. Donc, je vais pas pouvoir l'utiliser vraiment aujourd'hui parce qu'il faut que j'attende que ce soit la nuit pour le faire évoluer. Mais promis, le prochain épisode, vous aurez un Roselia opérationnel. Et puis il faudra qu'on le fasse évoluer en Roserade. Voilà, donc on va pouvoir continuer l'aventure. Si évidemment je retrouve ce taxi à la con. Sauf qu'évidemment, non. Et la dernière fois, donc évidemment, vous vous rappelez, voilà, on a révélé que un de nos alliés serait un traître plus tard. Ce qui est assez embêtant. Alors, on va. Entraîner Anus. Cleaver, là, on l'a trop vu, donc on va le laisser tranquille un peu. Il est gros. Je suis Florizarre. Ah, il faut... Ouh. Trop stylé. On va méga évoluer, juste pour méga évoluer, regardez. Méga Anus, il est vraiment trop dense comme un bus. Hop. Il a tenu l'attaque. What the fuck. Allez, Psycho Boost, regardez, Psycho Boost, l'attaque la plus puissante qui n'est pas décorée, dommage. C'est bien dommage. À quoi ça sert d'avoir des attaques super puissantes si tu peux pas les utiliser en te la pétant? On va juste... ça m'énerve de pas pouvoir monter Jean-Hubert aujourd'hui.
Mais si je le fais, hein, je suis bien allé vérifier, hein, si je le fais, si je le monte en niveau, je vais pas pouvoir le faire évoluer de toute manière maintenant. Oh, fly! J'ai aucun Pokémon qui peut voler. Ouais, mais c'est... Hey, c'est pratique quand même. Il me faudrait un Pokémon qui vole, et du coup, je dois en avoir un dans le... Je dois en avoir un. Je reviens. Bon, alors finalement, il n'y avait rien. Et déjà une autre ville? J'allais dire, j'ai pas trouvé de Pokémon qui peut voler dans mes boîtes, donc il va falloir que j'en capture un. Alors, Miraton, ma place favorite dans Torrent, c'est la boss du truc de Kyogre. Regardez son look. Quelle magnifique ville! C'est une ville en paix, elle est sereine, et elle est construite sur la mer. Ah, tiens donc! Voilà, et en plus, les îles Whirl, c'est triste. Oh, peut-être que quand je vais noyer la région, je sauverai cette ville en dernière. Ah bah voilà, d'accord. Hein. Ah bah voilà, hein, bravo. Hein. Ah, petite fille! La dame me fait peur. Oui, youpi, super. Donnez-moi des objets. Moi, non, mais je m'en fiche de ce que vous avez dit. Oh, c'est une ville touristique. Trop bien, on va faire du touriste. Bienvenue au Club Med! Ok. Trop le beat. Ok. Distingué, tu vas me manquer. Roselia, c'est qu'un caca. Ouais, moi, avec mon nosopass, je passe partout. Ouais! Oh, tes Ultra Balls. Magnifique Fieldron, magnifique rap. C'est très très beau ici. Des petites îles. Ok, alors j'arrive au musée. Je suppose que c'est là qu'on va partir après. Enfin, je sais pas. Là, oh, il y a le Pika Taxi Guy. L'entrée, c'est 500 dollars pour un musée! 500 dollars pour un musée, mon Dieu! Eh ben, dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'adore explorer les musées. Oui, bon, bah, c'est le musée classique, hein. On va quand même voir s'il n'y a pas des trucs planqués, mais. Oui, d'accord. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, oui, vas-y, je t'accompagne. C'est l'orbe bleue, c'est l'orbe de Kyogre! Oh non, 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 non. Oh, c'était il y a 50 ans! Ça se passe. Pokémon Insurgence se passe 50 ans après les histoires dans Hoenn. Ça veut dire que Red, c'est genre. Le mec, c'est genre une légende. Le mec, tu sais, il a 75 ans, quoi. Trop stylé. Oh mon Dieu, je savais. Ah, je savais. Bonjour Miss, j'étais en train de donner un guide à propos de cet orbe. Peut-être que... Oh non, hop 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 hop, elle vient, hop hop hop. Oh non, c'est la leader de l'abyssal culte. Je ne savais pas, je m'y attendais pas. Est-ce que tu essayes de m'intimider? Oui, en fait, je suis un assassin. Ce serait plus simple si tu te cassais. Tu ne ressembles même pas à un de leurs membres. C'est parce que je n'en suis pas un, je suis le leader. Oh mon Dieu. Merci. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, à toi de me le dire, je suis le leader du culte abyssal et... Ah, mais c'est l'artefact de Lugia? Wait, what? Oui, je suis d'accord. L'orbe bleue est l'artefact, enfin, est la relique de Kyogre, pas de Lugia. Ouah, un compartiment secret! Oh, il a trouvé la cloche! Oh, d'accord, c'est du fake. Pourquoi je voudrais une balle en plastique quand la vraie cloche de Lugia est en dessous? Mais c'est l'orbe bleue, la relique légendaire de Kyogre. Mais c'est pas le vrai orbe. Comment tu sais? Le meilleur endroit pour cacher le cloche de Lugia, c'est devant tout le monde, parce que personne s'y attend. Bah oui. Oh, c'est elle qui a donné l'orbe bleue! Oh! C'était un plan! Pourquoi?
Je viens de faire défoncer, s'il te plaît, meuf. Trois petits points. C'est long, hein. En tant que leader du culte abyssal, tout le monde pense que je veux Kyogre. Bah oui, forcément. Ok, les gens ne veulent pas que j'obtienne l'orbe bleue. Ok. Et comme... Ah, d'accord. Comme elle a donné un faux orbe bleu... Ok, et du coup, les gens pensent que bah il est en sécurité dans le musée alors qu'elle l'a déjà. Et ne pensent pas que je ne t'ai pas repéré. Bah oui, avec mon caca sur la tête, moi je suis là depuis le début, je suis comme ça là, tu sais. Tu es celui que Mew a choisi, tu veux m'arrêter. Ok, dans les îles du Whirl, les îles du tourbillon. Qui es-tu? Ok, elle a encore parlé de Mew. Merde! Merci de... Merci de la visite! Connasse, t'as pas remarqué qu'il y avait eu un vol? Bon, les amis. C'est parti. Ouais. Oh, un petit jardin! Elle a dit, j'adore avoir un jardin sur une petite île sur l'océan. Non, attendez. Là, c'est de la biologie de base. Enfin, c'est du jardinage de base. Sur une petite île au-dessus de l'océan, l'eau de l'océan, elle est salée. Donc la terre, elle est salée. Ok, on est bien d'accord. Et vous savez que le sel, ça tue les plantes. Tu peux pas avoir un jardin comme ça. C'est pas physiquement possible d'avoir un jardin sur une petite île au milieu de l'océan. C'est pas possible. Connasse. J'aime bien parce qu'elle dit les plantes sont bien hydratées. Oui, bah hydratées avec de l'eau salée. Vous avez déjà essayé de boire de l'eau salée? Bah c'est pareil avec les plantes. Mon dieu. Oh, c'est la merde ici. Oh, c'est tellement la merde ici. Ah, oh, en plus, il y a un Wellmer. Oh là là, c'est tellement la merde les Wellmer. Je déteste ça. Ah, mais casse-toi. C'est pas mal. Alors, ensuite, voilà, les îles du tourbillon. Attends, je regarde s'il y a pas. Oh non, il y a plusieurs entrées. Ah non, j'aime pas ça. Je vais encore passer 2 heures dans ce truc, je sens. Oh là là. Oh, je sens que je vais être perdu. Oh, je sens que je vais me perdre. Ah, en plus, il y a des... Oh là 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 là. Oh là là, il y a des leaders de l'abyssal cultiste. Oh là là, ils ont des Alomomo là. Allez, Pokémon Cancer Ultime. J'espère... Ah, c'est une autre couleur. Tu n'atteindras jamais Audrey. Ah ouais, tu veux voir? Double kick. Waouh, les dégâts. Oh. Mais ça se fait pas aussi là. Je suis extrêmement déçu, hein. Extrêmement déçu. Barbaracle. Allez, crève. Bon, on va entraîner. Oh, what? Il va prendre close combat. Oh oui, close combat, la meilleure attaque de type combat du jeu. Ah oui, oh là là là, Cisaiox close combat, mais laisse tomber. C'est pas grave, on va entraîner Anus quand même. Mais laisse tomber. Oh là là, mais c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Cisaiox close combat, le rêve de tout stratège. Bonjour. Bah non, c'est pas si fort que ça, là, mais c'est cool quand même. Oh, Amphinobi. Allez. Tiens, ça vaut bien une méga évolution pour sa gueule. Allez, extra ascenseur, casse-toi. Allez, hop. Ah, il avait pas protéin. T'avais pas protéin. Pas stratégique. Pas stratégique. Et du coup... Ah bah voilà. Bah je l'ai déjà trouvé, super. Y'a quoi derrière, là? Je suis sûr qu'il y a un truc de ouf. Oh, une cascade. Alors, on va juste refaire le coup du revive au cas où le combat est très dur. Puis bon, il faut bien que j'utilise un peu mes items, hein. Pareil, on sait jamais, hein. Voilà. J'optimise. De toute façon, c'est des super potions, ça me sert plus. Allez, c'est parti, on la défonce. Ah. Oh.
J'étais inquiète que tu ne te montrerais pas. Mais non, mais attends, c'est une fille. Ah oui, mais attends, elle a une voix un peu fourbe et tout. Après tout, on ne voudrait pas commencer sans notre spécial héros. Les îles du tourbillon sont la maison d'une des plus vieilles créatures vivantes, Lugia, le gardien de la mer. Ouh là là, ça fait depuis les Dead Gold. Les dés de la version or, d'accord. Mais maintenant, les îles du tourbillon, sa maison, sont revenues. Ah ! Parler comme ça, ça me donne envie d'éternuer. Le domaine d'une... Ça me fait vibrer le nez. C'est horrible ce moment, hein. Vous êtes d'accord ? C'est horrible ce moment. Le domaine d'un Pokémon légendaire n'est pas une place ordinaire. C'est connecté avec l'artefact Pokémon. C'est pour ça que le hall de l'origine n'est apparu à Dawn quand elle a brandi la flûte azur. C'est quand ça? Ok. Lugia, sors de l'eau! Oui! Oh mon dieu! Ah, sexe féminin et sexe masculin! Sexe féminin et sexe masculin! Lugia! Pokémon le plus cher de la Terre. Mon nom est Audrey, je suis le leader du culte abyssal. Avec ta force et mon commandement, cette planète pourrait être à nous. Ha ha ha, nous avons des grands plans pour le monde, mais on a besoin de ton aide. Est-ce que tu vas nous rejoindre? Non. Fifou, are you satisfied? Est-ce que tu as vu ce que tu es venu voir? Tu veux te battre. Mais même si tu gagnes, je ne vais pas relâcher Lugia. Me battre ne changera rien. Tu as marché dans un piège. Si tu gagnes, tu ne gagnes rien. Mais si je gagne, tu perds tout. Ta vie, tes amis. Ah bah dis donc. Ah mon dieu. Vous pouvez me soigner? Soignez-moi! Soignez-moi! Oh, je peux rencontrer des Pokémon. Exagère. Bon, Lugia. Ok, je suis prêt. C'est parti. J'ai pas peur. J'ai peur de rien. Je suis Fifou. J'ai peur de rien. Je suis Fifou. Audrey veut se battre. C'est moi où il n'y a pas de musique ou alors elle est trop basse? Je suis désolé, mais t'as aucune chance, mec, meuf. Genre, zéro chance. Je passe en mode sérieux. Tiens donc. Volt Switch, Ludicolo. Ok, ça rigole pas. Allez, c'est parti. Moonblast. La pauvre. Il me faut une guérison bientôt, par contre. La puissance de plénitude, les amis. Ok, alors attends. Parce que là, je vais... Voilà, le poison va commencer à me faire super mal. Il me faut une guérison. Je dois avoir une guérison. Ah merde, j'ai pas de guérison. Ah zut, je pensais que j'avais une guérison. Bon, alors là, il me faut maintenant un antidote. Voilà, super. Ah ah, voilà. Et maintenant, là, les mecs, c'est fini. Je crois que j'ai même pas besoin de me soigner encore. Hein. Ah, Lugia. Oh mon dieu, il a les restes. Bon, attends, on va se booster. On va continuer à se booster parce qu'il a pression.
Là, il faut que je me soigne parce que Aéroblast a une grosse chance de crit. Donc, s'il me crit, je serai un peu dans le caca. Voilà. On fait ça intelligemment, les mecs. Et je crois que... Non, mais attends. Là, Moonblast devrait tuer, non? Je pense. Parce qu'il a... Voilà, c'est ça. Parce qu'il a... Il a écaille spéciale. Enfin, le truc de Dracolos. Qui fait que quand il a full vie, il prend des dégâts en moins. Non, mais là, c'est fini, mec. Hein. Ah ouais, non, mais... Oh Méga Coloma. Ça va pas t'empêcher de mourir, hein, tu sais. Hein. Oh putain, Anus est tellement puissant. Sérieusement, Anus est trop puissant. Mon dieu. C'est, genre, limite, je me sens mal pour lui, tu vois. Quand tu mets un stratège sur une aventure Pokémon, ça se passe très très mal pour l'ordinateur en général. Bon, bah voilà. Voilà, comment tu m'as battu? J'ai même mis KO Lugia. Tu as tué mon Lugia et mon Colomar. Je vais te laisser vivre pour maintenant. Pour l'instant. Pour le moment, pardon. Mais sois prévenu, Fifou. Ok, si tu croises mon chemin, je ne serai pas aussi merci. Non, mais attends, tu comprends pas. Derrière moi, là, hein, derrière moi, il y a un putain de méga Florizarre qui fait 3 mètres sur 3 mètres et qui a des pouvoirs psychiques. Si je veux, moi, j'invoque... Mais toi, tes Pokémon, ils sont KO, ok. Moi, j'invoque Nidoking, hein. J'invoque un putain de Cisaiox de type glace. Tu crois que tu vas faire quoi? Moi je prends, je dis à Cisaiox de le faire close combat dans la gueule. On va voir l'état de ton visage. Tu veux que je fasse ça? Hein? Tu veux que je fasse ça? Ah! T'as la rage, hein? T'as la rage. Elle a la rage. Elle a tellement ragé. Bien fait pour ta gueule, meuf. En tout cas, Anus, je vous le dis, hein. C'est une très très bonne technique là. Les plénis. Si vous savez pas comment battre des dresseurs dans un hack Pokémon où c'est une IA, plénitude, malédiction, les trucs qui boostent la défense papillodance, c'est trop trop fort. Parce qu'ils vont jamais switcher. Donc, vous mettez votre Pokémon sur un Pokémon qui tape sur le spécial ou sur le physique selon ce que vous voulez faire, ou même, comment ça s'appelle l'autre truc? T'as malédiction qui booste la défense et l'attaque, mais t'as aussi. Gonflette. Ce genre de truc, tu vois. Super fort. Allez. Bon, j'ai réveillé Ronflex, c'est assez classique. Niveau 45. Oui, bon. On va le tuer avec Cleaver. Lol. Oh, il a les restes! Ah non, il faut que je le capture pour avoir les restes. Ah mais c'est chiant. En plus, il a boosté son attaque au max. Bon, hein, j'ai ignoré les ordres. J'ai ignoré les ordres! Cleaver, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il a ignoré l'ordre! Mais non, mais je voulais les restes! Pourquoi il a fait une attaque super efficace? Il a ignoré les ordres et il voulait pas faire l'attaque de type glace! Tu es en retard. Je suis jamais en retard. Je suis juste en avance. Ah non, c'est toi qui es en avance. Pourquoi tu voulais me voir? C'est pire que la queue de cheval. Il a genre un truc en arrière là. C'est quoi ça? Non mais vous avez déjà rencontré quelqu'un avec... Ça fait un angle droit. C'est dégueulasse. Je pensais que notre affaire était finie. Je pensais... Ah, j'ai rencontré Fifou dans la ville de Lfelnor. Chut. Et il a vaincu Rayquaza. Oh, mais je suis trop fort maintenant. C'est sa faute si mon cristal a été détruit. Mais il se rappelait. Il se rappelle de son nom.
Ce qui est déjà trop. Ouais, je suis sûr que c'est moi le mec dans Pokémon Zeta Omicron. Hein? CF Askuns. Si quelqu'un le reconnaît, j'ai été donné l'enfant. J'ai promis de te laisser tranquille avec ton culte quand je suis arrivé au pouvoir. Tout ce que je t'ai demandé, c'est... Ah, c'est le chef du truc de Darkrai. Tout ce que je t'ai demandé, c'était de gérer Fifou. Et tu n'as même pas pu le faire. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Choisis tes mots avec précaution, car ce sera peut-être le dernier. Nous étions très proches de compléter l'effacement de mémoire. Vous vous rappelez au premier épisode, hein, ils ont effacé ma mémoire avec un ectoplasma. Mais avant qu'on ait fini, notre rituel a commencé et on devait partir, notre rituel pour invoquer Darkrai. Et quand je suis revenu, il était parti. Mew m'a sauvé. Pendant ce temps, la seule personne qui a enregistré... Ah oui, qu'on a vu quitter la base, c'était un Darkrai cultiste. Qui ressemblait à un membre qui avait été sacrifié il y a longtemps. Ah bah dis donc. Je suggère que Fifou a été trouvé et sauvé par Mew. Trois petits points. So, Mew a finalement décidé de montrer sa face. Bah non, vu qu'il m'a transformé. Je pourrais les gérer tout seul. Ce serait facile d'utiliser les médias de les transformer en fugitifs criminels et tout. Mais si le public découvrait que j'ai perdu face à Fifou et Anus, que je laisse les criminels s'échapper, sa réputation serait ruinée. Perséphone. Ah, c'est une fille! J'ai fait des recherches. Ok, sur le cristal du premier augure. Je ne suis pas sûr, mais je pense que je sais ce qu'il a trouvé. Si j'ai raison, il devrait y avoir une conspiration dans Tauren plus grande que je ne pourrais l'imaginer. Je vais investiguer ça. Et quand je reviens, si tu n'as toujours pas tué Fifou, je vais arrêter de faire ma partie du contrat et je vais te détruire. Oh merde. Je suis l'anti-héros Perséphone. Le chaotique good. Ah, je ferai tout ce qu'il faut pour sauver le monde. Reste sur mon chemin et tu seras envoyé dans les airs. Oui, bon. Oh mon Dieu. Bon là ça parle de trucs de jeux de rôle. Quoi qu'il y ait jeux de rôle hein? Parce que t'as des trucs genre loyal bon, loyal mauvais, chaotique bon, et là il dit qu'il est plus loyal mauvais, voilà. C'est pour ça que personne ne l'aime. S'il n'était pas aussi invulnérable que le premier Rogure, ça ferait longtemps que je l'aurais géré. Qu'est-ce que je peux faire pour gérer Fifou? Ah, oh, il a disparu! Mais j'étais là! Mais putain, mais regardez, je sais pas, putain, si je vous entends parler, tu peux bien me voir. Bordel. Ah, mais respectez-vous, franchement, parfois. Hein. Oh, une grand-mère, salut grand-mère. J'adore les grand-mères. Ah, voilà, une nouvelle ville, Sonata City. Bon, bah on va pouvoir s'arrêter là. On a bien avancé. Il commence à se passer beaucoup de choses par épisode, là, donc ça, c'est vraiment cool. La semaine prochaine, donc on fera évoluer Jean-Hubert et tout. On va s'arranger pour qu'il soit beau. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, à moi, Fildrong sur YouTube. Pas très difficile à trouver. Et puis, si vous voulez aller voir la chanson en entier sur Distingué, n'hésitez pas. Voilà. Allez, moi, en attendant la prochaine, évidemment, je vous dis tchuss.